Coucou les amis, c'est Marjo, Marjo Diamond Painting. Alors aujourd'hui j'ai reçu, nous sommes le jour de la vidéo, nous sommes le jeudi 22 décembre. Mais ces colis, je les ai reçus il y a déjà quelque temps, je crois le 18, quelque chose comme ça, je sais plus, ça remonte. Ce sont deux colis différents. J'en ai un ici et un ici. Ce sont deux créateurs différents, mais j'ai choisi de les associer dans une même vidéo parce que là c'est un article et là c'est un article aussi. Pardon, j'ai tout là. Donc je vais commencer par les Diams de Cat. Alors les Diams de Cat, vous avez sa boutique Etsy. Je vous mettrai tous les liens de ce que je dis en barre de description, comme ça sera plus facile pour vous y retrouver. Donc les Diams de Cat envoyés dans une enveloppe à bulles, voilà. J'ai l'objet du délit dans ce paquet. Ça me fait un petit paquet de Noël. C'est très gentil. Et j'ai une petite instruction dessus. Je vais vous le lire. Et oui, alors, pour ceux qui me connaissent, savent que j'ai commandé une pince. Donc, elle me met dessus. Je suis une pince qui brille la nuit. Ah, pour briller la nuit, j'ai besoin de rayons UV. Pour cela, il existe deux solutions. Première solution, mettez-moi la lumière du jour, du soleil, etc. Deuxième solution, vous pouvez trouver sur Internet une mini lampe de poche avec un rayon UV et me la passer 1 à 2 minutes dessus et la magie opère. Ne me rangez pas dans une boîte, un tiroir, je risque de manquer d'UV. Moi, ça risque pas, je la range dans un tiroir. Moi, ça sera exposé avec mes autres pincettes, donc ça sera toujours exposé au jour. Et c'est signé pincette. Voilà. Donc, je vais ouvrir. Vous avez vu comme c'est mignon. Fait main avec amour, spécialement pour vous. Merci. On a le petit thank you à la petite patte de chat. Alors, je vous montre ça. Désolée pour le petit bruit pour vos oreilles. Alors, ah, j'ai autre chose. Voilà. Alors, j'ai eu un petit cadeau, un énorme washi tape, ça c'est génial. Merci Kathleen pour le washi tape parce que il y a des toiles des fois où il y a de la colle, c'est énorme et c'est tellement large qu'il faut en mettre deux fois. Et regardez l'épaisseur du washi tape. Merci beaucoup Kathleen. Alors, je vais regarder. Là, il y a marqué thank you encore. Hein. C'est sa petite carte. La coquinette. Thank you for your purchase. Alors, vous avez la boutique Etsy des Diams de Cat et son Facebook. Vous avez tout ici, mais tout ça, je vous le remettrai en barre de description. La petite carte. Thank you. Alors, que je vous montre ma merveille. Elle est emballée, vous avez vu, dans un petit pochon transparent. Et là. Alors, sur le site Etsy, elle est à 18 euros. Mais regardez-moi cette merveille. C'est une pincette Glow in the Dark.
Regardez-moi ça. Elle est pailletée. Là, on a un lapin de dessiné. On a un bout céramique. Et en fait, je vous montrerai un jour dans une vidéo peut-être, mais Glow in the Dark, elle brille dans la nuit, hein, comme je vous ai dit. Elle est magnifique, franchement, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à redire, Kathleen. 18 euros plus, il m'a, je crois que c'était 3,50 les frais de livraison. Donc 21,50 euros. Voilà en tout. Magnifique. Je ne regrette vraiment pas mon achat. Elle est splendide. Voilà, donc je la range. Et maintenant, je vais donc passer au petit colis que j'ai commandé chez Serge Restauri. Donc, on est dans une enveloppe bulle aussi. Pareil, Serge, je l'ai commandé un peu dans les mêmes environs. La livraison a été très rapide pour les deux. Et alors là, vous allez être mais étonné de mon achat. Vous n'allez pas comprendre. Parce que Marjorie, c'est des pinces, des pinces, des pinces. Mais là, regardez. Ta-da! Ta-da! Et oui, un stylet. Je me suis dit, Marjo, il faut que tu tentes le coup avec un stylet. Parce que c'est vrai que je me suis bornée avec les stylets qu'on nous donne à chaque fois. Et ça ne me plaisait pas forcément. Mais je me dis qu'avec un stylet fait par un créateur, la vision des choses pourrait changer. J'en ai eu un tout pour 33 euros. Et c'est une pure merveille. Vous voyez, il est transparent. Je vous l'approche. On a un embout multiplaceur en haut. Regardez ça. En haut, on part du détail. Voilà. Regardez. Regardez-moi ça dans la transparence. Tout ce qu'on peut voir. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Il est superbe, il est splendide. Ça fait comme s'il y avait un effet plume, comme s'il y avait un effet plume à l'intérieur, avec des petites fleurs séchées. C'est trop beau, quoi. Alors, je pense que maintenant, on va voir si je m'y fais. Et puis, si je m'y fais pas, je sais très bien que je pourrais vous l'offrir un de ces jours si jamais. Voilà, si je. On ne sait jamais. Hein. Ça sera tout bénéfice pour un d'entre vous. Mais si je m'y fais, tant mieux pour moi. Voilà. Waouh, quoi. Waouh, waouh, waouh. Une vraie merveille. Vraiment, il n'y a rien à redire. Je vous remettrai aussi tout ce qu'il faut savoir pour aller sur le groupe de Serge Restauri pour acheter les blancs et pour vous lui dire que voilà quelle couleur vous choisissez. Mais en fait c'est particulier parce que il y a des blancs qu'il met en ligne, il les numérote. Si vous les voulez, il faut être assez réactif. Et c'est premier qui dit, premier qui l'a, quoi. Voilà. Et là. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut que tu te lances. Voilà. C'était pas plus simple que. Plus compliqué que ça. Oh là là, il est vraiment splendide. Ah, qui dit, peut-être que je vais faire une collection de stylets, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
En tout cas, ben oui, comme je disais, je vous mettrai tout en barre de description. Je te remercie énormément, Serge, pour ce stylet. Sachez que moi, je lui ai dit que je ne m'y connaissais pas trop en stylet, que j'avais des doigts assez longs, fins, et que je ne savais pas ce que je pouvais prendre comme dimension, voilà, de stylet. Parce qu'il y en a qui sont plus gros, il y en a des plus fins. Et là, je pense qu'il est dans le médium, donc il est splendide, quoi. Voilà. Bon, ben les amis, je vous remontre mes deux achats. Le stylet de chez Serge Restory et la pince des diams de Kathleen. Voilà. Voilà, mes deux trésors. Mais je vous remercie les amis de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que certains qui passent par là se diront, tiens, chouette, sympa cette petite chaîne, je vais m'abonner. Si jamais si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton pour vous abonner, vous appuyer, oui, bien sûr. Et d'activer la petite cloche de notification, bien sûr. Mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu aussi. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les poser aussi. Des petits commentaires à me faire sous la vidéo, n'hésitez pas. Voilà. Je vous fais de gros gros bisous les amis et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous les amis. Ciao ciao et bonne journée à vous. Amusez-vous bien. Ciao ciao.